Voilà, frère, je suis dégoûté là, chief. C'est 10h, les gars. Non, mais sérieux, c'est quoi ce flow de fou, les gars? La vie, ça doit s'envoyer avec des coca. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Le mec, il s'envoie un gros coca, frérot, au petit-déj. Il y a soit ça, tu dois boire. Je dois boire une gourde du brave. Ouais. On est calé, vraiment. Au milieu de la rue. Ça, c'est maman. C'est quoi ces donuts? Les gars, on va taper la boule de Berling, moi, je vous le dis. Mmh. Ah ouais, c'est trop bon. OMG, miniature. On mange un Big Donut. Parce que là, c'est pas un donut, c'est un burger. Ah, il est rené, les gars. Ah non, il est pas bon. Hein. Boule d'or Berlin, je mets 9 sur 10. Ça, je mets 4. La tête d'homme, en plus, je mets tout le temps cette musique. Bon, les gars, direction calm down, les gars. Et regardez-moi la gueule du trémo du métro, frère. Du trémo, arrête de voir. Ah, mais c'est là, frère. Mec, y'a pas beaucoup d'arrêt, frère, wesh. Putain, y'a son père. Allô, y'a quelqu'un? On est arrivé à Cambien. Tu vois là qu'on va voir ce que ça va donner. J'espère qu'il y aura du contenu. Oh, il sait l'animal ou pas? Les gars, c'est trop stylé, je vous jure. Je pense que c'est mon endroit préféré, mec. Il y a trop de couleurs, trop de trucs. Non, mais je rêve. Je rêve. Moi, mon gars, ici, c'est la rue et le Peaky Blinders. Je suis désolé, c'est exactement la même chose. Par contre, c'est abusé comment c'est immense. Tiens, mec, c'est trop beau. Peut-être même que c'est le meilleur endroit de Londres, je suis désolé. Est-ce que tu pleures devant le poulet? Carrément, je demande l'adresse pour y retourner. Non mais les mecs, matez-moi ça les gars, petit Wendy's. Guettez-moi le burger. Ok les gars, tu sais que c'est un peu la même consistance que Shake Shack, j'ai l'impression. Il a l'air bon, les autres. Je vais même taper un autre pro pour être sûr. C'est super bon. En fait, c'est un peu comme Shake Shack. Ça from America, tu vois. Bon les gars. Là, on va aller au stade d'Arsenal pour aller le visiter. Et après, normalement, bah, je sais pas ce qu'on fait. Mais voilà. Les gars, incroyable, les gars, je suis trop content. Il s'est passé un truc de fou. Nous avons payé 50 balles le billet chacun. Et on va voir West Ham contre des Indiens, les gars. Let's contre. C'est un gros match de Ligue des Champions des Travelo. Mec, j'espère que c'est trop bien, les gars. On va regarder un match d'un club anglais, les gars. Ouais, dans la chambre. Super, les gars. Super, non mais. Voilà, moi je pense que je vais finir mon petit film. Et après, ça va décaler au stade, les gars. Je suis trop content. Ça se fait au dernier moment. Finalement, ça rajoute un peu de peps au voyage. Finalement, ça rajoute un peu de peps au voyage. Putain, mais la team, je suis dégoûté. Mais regardez-moi le temps de merde qu'il fait. La meuf, comment t'as été, toi? Qui? Ouais, t'as sorti la caméra. Mais what the fuck? Mais est-ce que je suis un youtubeur ou je suis une petite merde? Je suis une petite merde. Oui, tout à fait. Bon, les gars, il fait vraiment un temps de merde. Mais c'est pas grave, les gars. Faut toujours être réaliste dans la vie. Faut penser qu'on va regarder un match, donc on va être abrité. Donc tout va bien, les gars. Matez-moi la gueule du temps, les gars. Matez-moi la gueule du temps. J'espère qu'il y a de l'ambiance. Hein. J'espère que les Anglais ils sont au taquet ce soir. Oh. Combien? 15. 15, une? Ouais. 1, 15? 15, yeah. 2, 20? Nah, it's no value, so they're normally 20 for one. Ouais, mais 15, frère, c'est trop rush. Yep, thank you very much. Voilà, le plus gros footiste de la terre. Le Yank là. Le mec, il va encore acheter après le maillot, mais le mec, il est en roue libre ou quoi? Ok, it's a West Ham United, it's the game today, let's go. C'est là qu'on fait les malins, frère, les billets ils passent pas. Oh là là. Voilà les gars, bienvenue dans l'enceinte du stade. Là il y a plein de stands, voilà, histoire de faire à manger. Puis, là on se dirige vers le store, il va acheter son petit maillot. On est grave à l'avance, tellement à l'avance que les portes elles sont même pas ouvertes. Ça va prendre sa part sur le sol direct. On attend son maillot qui va arriver. Il a acheté son maillot floqué et tout. Fais pas les choses à moitié comme on dit. Yes. Ce soir. Mais gros, t'es moi comment c'est ça? Mais c'est normal. Bah non, mais en fait c'est juste moi, je suis trop stock. Voilà, là t'as ton prime. Là je suis à mon prime. Bravo. Et mec, matez-moi ce repas. Je vais vous faire une petite déguste. Franchement c'est trop bon les gars. Mmh. Super bon.
vraiment bien ce dégât là-bas. Wesh les mecs, regardez, mais on est bientôt en VIP ou quoi les gars? On est en VIP ou quoi? Il y a la meuf de Paqueta ou quoi ici, frère? Attendez, parce que là il se passe vraiment des trucs chelous. Là, je crois qu'on est surclassé, la vie, boisson offerte. Wesh, on est où, frère? On est surclassé, il s'envoie pour 50 boules, les gars. Je voulais dire, on est trop chaud. On l'a vu de fou. Wesh. Ils nous ont respectés, les gars. Les gars, c'est exceptionnel ce qui nous arrive. On a la meilleure place du stade, les gars. Putain, le match, on va le voir en 4K full HD. Wesh, on a même un livre, frère. Mais on s'en bat les couilles du livre. Les gars, c'est incroyable, on a la meilleure vue all time. En fait, en vidéo, on a l'impression qu'on est à 10 km du terrain. Mais en fait, pas du tout. Genre vraiment, on voit trop bien. C'est extraordinaire, les gars. Déjà qu'on s'est pas fait carotte. Et en plus, on a des places de fou. Donc là, c'est double sentence positive. À 1h10 du coup d'envoi, y'a personne. Je m'inquiète un peu. Attends que les supporters adverses arrivent, ça va être le bordel. Les gars, faut quand même qu'on raconte l'histoire de comment on s'est retrouvés ici. En gros, on était pendant le petit déj ce matin. On était comme ça posé. Et puis là, on voit des mecs un peu chelous. Jeans régulars, tout ça, vous voyez. Bah, ça avait l'air d'être des supporters. Et on s'est dit, mais attends, y'a pas de match et tout. Et après, on regarde. En fait, y avait West Ham qui jouait à la Ligue Conférence. Finalement, on s'est retrouvé là. Genre vraiment, 8h avant, on a chopé les billets. C'est vraiment ça coûtait, c'est pas du tout prévu. Donc c'est vraiment stylé. J'aime bien. Les gars, y'a personne dans le stade. Allez, mon bébou Areola. Let's go les gars, vamos pour un match, je sens qu'il va être incroyable. Incroyable, je pense que ça peut être le mot Thierry, qu'est-ce que tu en penses? Oui. On est à 30 minutes du coup d'envoi, le stade toujours pas au plein à craquer. Hein. Number 13, Julien Desart. Action time, no penalty, don't think the ticket contains it, so... Les gars, on attend le coup d'envoi, le stade s'est bien rempli quand même, ça va. Il y a une vraie ambiance les gars, incroyable. Ouais. Ça doit être ça, ouais. Mais Tirlard des facs, on s'en bat les couilles de Ghent. Début du match, c'est parti les gars, que le match commence. Voilà. Vendu, corrompu, là. Putain frère, ça y est. Ça y est, il a avoir une clim là, mon gars. Oh la clim du siècle, là. Moi je suis hors du stade, je vais boire une boisson. Je reviens. Non. Cinquième, 1-0 pour les autres. Putain, sa mère. Mais franchement, si le score il reste comme ça, comme le dernier match, je chiale. Allez. Oh. Come on. C'était un câble. Oh. Mais non.
Les gars, c'est la mi-temps, on s'est mis au chaud. Petite boisson gratuite, ça fait plaisir les gars. On est des VIP aujourd'hui. J'aurais dû prendre un hot chocolate, mais bon. Je me suis dit Nick Zabi les gars. On se réchauffe un peu. Deuxième mi-temps, j'espère que ça va être le feu. Un partout pour l'instant. Puis c'est le match retour. Donc le match aller, ils ont fait 1-1. Là c'est 1-1. Donc là ça fait 2-2 au total. T'en penses quoi pour l'instant du match? T'en penses quoi? Franchement. Non, ça va. Non, ça va. C'est ta deuxième mi-temps. Ça va chier les gars. On va le... C'est parti, deuxième mi-temps. Il a fait poteau. Putain, les gars, ils ont fait poteau, j'ai pas fini. Oh là là. Si tu dis qu'il y a pas de pénalty, je rentre sur le terrain. Allez, oh, pénalty. Oh, c'est pas Kata qui tire. Au moins j'espère que vous avez kiffé voir ça. Je pense que c'était déjà mieux que celui de la Juve. Hein. Premier arrivé, dernier parti. Toujours pareil les gars. Imagine tu te fais pourchasser pour un cheval. Très très beau stade, ambiance plutôt pas mal. On a pris un petit Uber et tout tranquille. Putain, j'ai plus de voix, les gars. Sur ce, c'est fin de vlog. Hein. Tu peux juste dégager de ma face. Il est où mon teul? Mais frère, dégagez. Aïe. Tes gros doigts de pied là. Dégage. Mais sortez de l'âme, ciao. Wesh, les mecs, nouveau jour, dernier jour. Putain, quel temps de merde, les gars. On s'est calé dans une boulangerie. Je sais pas si c'est une boulangerie ou un chantier les gars. Y'a que des mecs du chantier. Gros les gars, ça sent qui des repas, riz, frites, coca à 11h du matin frère. Mmh.
Bon bah cette matinée c'est vraiment shopping, petite balade sous la pluie, vraiment matinée tranquille en détente. On se balade quoi, on découvre la ville dans un autre aspect quand même. Les gars on est dans des endroits, les gars on fait que de marcher, on marche sans but. Je sais même pas où on est les gars, on va se retrouver à Chelsea. Mais frère, on est dans un resto. On est clairement pas à notre place les gars. On est dans un truc à que des rondas, des chefs d'entreprise frère. Putain, je vais faire un petit tour. Non, mec, ça rentre bien. Moi j'aime bien. Y a des mushrooms, les gars. Sont trop bons les mushrooms. Nos du voyage. Nos chemins se séparent cet après-midi, les gars. Dernier jour. Lui, il a envie d'acheter des trucs. Des et moi, j'ai envie en fait, d'aller. J'ai besoin d'acheter des strings pour moi. Moi, je dois aller acheter des musées. Ah non, je vais visiter. Ouais, je vais visiter des musées. Bon les gars, nos chemins se séparent. Les gars, je vais aller dans un musée en Angleterre, les gars. Je vais bon, raconte pas ta vie, mais gros, j'ai besoin d'aller chier, mec. Ouais, frère, je vais ça rien fait comprendre. 3 heures, poto, j'ai besoin d'aller chier. Je vais rien comprendre, gros. Je vais regarder un musée, ils vont me dire no. Ouais. Seul à Londres, oh my god. Bon les gars, j'espère que le musée il est bien. Déjà j'espère que je peux rentrer, j'espère que je peux filmer. Genre ça fait plaisir d'être tout seul parce que t'as vraiment la tête. Tu marches, tu penses à rien, t'as vraiment la tête libérée. Genre c'est vraiment une bonne sensation tu vois. De temps en temps, même si vous êtes en voyage à plusieurs, partez tout seul un moment, peut-être 2 heures comme ça. Puis ça vous fait tellement du bien, genre ça repose de fou. Gros j'ai jamais vu un oiseau aussi moche de toute ma vie. Putain mais ça se régale frère, des petites cacahuètes. Non mais l'oiseau d'avant il était vraiment pas beau, je suis désolé les gars. Déjà pourquoi, qu'est-ce que ça faisait au milieu d'un parc cet oiseau frère, je pète un câble. Les gars, la vie de ma mère que ça fait genre 40-50 minutes que je marche, je me fais que de me perdre, je n'arrive pas à suivre cette putain Google Maps, j'ai vraiment une merde. Du coup là je tombe sur des manifs et tout frère. Normalement le chemin c'était 22 minutes frère, ça fait au moins 40 minutes que je suis là. Mais les gars, mettez-moi où je suis, frère. Je suis en train de chercher un putain de musée. Frère, c'est pas compliqué de trouver un musée quand même. Putain, enfin, la vie de ma mère, j'ai enfin trouvé. Putain, mais gros, c'est trop grave d'être aussi nul que moi. Ouais, j'ai mal de moi. Ouais, je vais jamais rentrer, gros. Les agresseurs allemands auraient certainement dû affronter Churchill en personne. Comme l'a dit un membre de son état-major, il aurait rassemblé les membres de son camp. C'est ça pendant je sais pas combien de temps. Les gars, la vie de ma mère, je sais pas ce que je fous ici. Écoute, ils me racontent des trucs, mais je m'en bats les couilles. Frère, je comprends rien. Bon les mecs, j'ai fini petit tour du musée. Bah franchement en vrai j'ai passé quoi, peut-être une heure et demie dedans je crois. Franchement je suis resté quand même pas mal de temps dedans. Puis ouais franchement c'est pas mal, ça va. Ça va en vrai, c'est pas l'activité la plus incroyable que j'ai fait de ma vie. Mais c'est reposant on va dire. T'apprends des trucs, t'apprends que Churchill il faisait des caca 2 fois par jour. Bon bah y'a son père. Je voulais acheter un t-shirt Pablo Escobar comme Jawad mais il n'y avait plus. Putain enfin frère, enfin. Non mais les gars, mettez-moi ça. Il y avait tellement de monde frère, c'est l'Aïd Moubarak mais laisse tomber. Oh le poulet. Frère par contre ça coûte tellement rush mec. Mec un hot dog, des frites, un burger, 19 balles. Oh my god les gars. Les gars, dernière soirée, 11h. Bah voilà, on va prendre un petit milkshake, ensuite on part, Big Ben, tout ça quoi, voilà. J'ai esquivé le flop de près. Hein. Mais voilà frère, mais nique t'es mort, gros, viens en taille frère. Eh les gars, hors caméra, hein. Ça fait 30 minutes que j'attends les gars. Moi j'ai pris un petit milkshake, cookies and cream. Ah ouais, il est régalant. C'est vraiment une gueule là, frère. Gars, on est seul au monde. Mon
Donc là, jusque là, tout va bien. Je rappelle qu'il est 6h. Non, 7h. Sous gros nuggets à 5h du... à 7h du matin. Mais gros, j'ai la ceinture dans le cul. Là, il est midi, on vient d'arriver, tout ça, je me suis dit, une petite glace, ça fait plaisir. Et le mec, il m'insulte. T'es le seul chien de 6 qui mange une glace alors que je fais moins 47. Toi, t'es quand même le seul trop de balle qui t'enquille. Un menu à 7h du bar quand même. Débat parallèle, les gars. Non, mais wesh. Ah, c'est fini là? Ouais, c'est après. J'espère que vous avez kiffé le petit voyage à Londres. Moi, si je mettrais une note globale, je mettrais, je pense, 3 sur 10. Hein? 3 sur 10? Non, je rigole, je pense que je mets 7. Ouais, parce qu'il y a des gens, ils sont en short alors qu'il fait moins 10. Parce qu'ils mangent des plats de frites à 10h du matin. En vrai, c'est pas le coup de cœur, tu vois. Moi, le coup de cœur, c'était vraiment Camden. Bah, moi, je mets 9 sur 10 parce que Londres, je mets sur 10. Et je mets juste pas 10 sur 10 parce que je suis allé avec toi. Non mais l'hôtel, ça peut... tu perds un point frère. Déjà d'entrée ouais, de jeu. D'entrée de jeu. D'entrée de jeu. Il était dérisoire. C'est les marqués. A plus pour de nouveaux voyages. Il est trop cringe ce mec. Attends, okay.